Grégory, alors bon, tu m'as parlé de ça l'autre jour, que tu écrivais, tu avais écrit un livre. Donc, bah, écoute, tu nous en parles un peu. Qu'est-ce qui fait qu'un gars qui travaille à AgroSup se met à écrire des bouquins? Ce qui a fait que je me suis mis à écrire, alors déjà ça date d'il y a un petit moment maintenant. J'ai commencé quand j'avais 13 ans. C'était des petites histoires courtes, voilà, que j'écrivais pendant mes heures d'études au collège. Et en fait, c'est parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à écrire quand j'avais des devoirs à rendre. Ah Je oui. mettais toutes mes idées, mais c'était brouillon. Et les profs ne comprenaient jamais rien à ce que j'écrivais. Et c'était pas forcément faux ni vrai du coup. Et puis un jour, ma mère m'a dit, mais tu devrais essayer d'écrire et d'essayer de mettre en synthèse, de synthétiser, de développer, d'enlever ce qui n'est pas nécessaire. Et puis avec le courage de mes profs de français et de mes amis, de mes proches, bah j'ai adoré écrire et puis c'est devenu une passion pour moi d'écrire au fur et à mesure des années du coup. Donc maintenant ça fait 7-8 ans que j'écris maintenant. Une vie, deux histoires. Ouais. C'est une histoire de chien, c'est ça? C'est un chien de traîneau. Donc Oui. en fait le livre est composé en deux parties. Donc c'est deux histoires, donc une vie pour le chien et deux histoires autour de ce chien de traîneau. C'est une histoire sur. En fait, il a une première vie qui est dans les montagnes des Alpes. Et suite à des aventures qu'il va vivre dans ces montagnes-là, il va être amené à vivre une seconde vie qui n'est pas forcément celle qu'il aurait voulu. Et il va être contraint de vivre dans cette seconde vie. Et donc, c'est une histoire voilà qui m'a mis beaucoup de temps à écrire mais qui m'a plu en fait c'est quelque chose qui me ressemble un peu donc Ah, je c'est suis ce que content. j'allais dire. On parle d'autobiographie dans cette histoire-là, en fait, non? Hein, c'est un peu Ah ton mais ah, histoire, c'est tes un chien. départs. Jean-Luc, il y a toujours une petite part d'autobiographie de toute façon Mais là, je le ressentais très fort quand il bah parlait, parce que je me disais, bon, en fait, une histoire d'avoir pas le chemin qu'on aurait désiré, partir sur autre chose, et puis que c'est la vie quand même. Oui, qu'est-ce qui fait que tu penses que ta vie va prendre cette même forme, qu'on le voit un peu là-dedans, parce que j'ai l'impression que Bah, c'est ça. alors je sais pas si cette passion pourra devenir un jour ma vie, mais c'est vrai que bah c'est un petit tournant dans ma vie parce que bah l'écriture c'est vrai que c'est une passion, c'est quelque chose qui me plaît. Donc si un jour je pouvais avoir cette vie dont je rêve avec cette passion-là, ça serait incroyable. Et donc puis en plus il y a un petit truc qui est important dans ce livre, c'est le fait de quitter c'est un monde qu'il connaît bien dans lequel il est confort. Pour un monde tout nouveau dans lequel il s'y connaît pas Il y en a fait. une autre dimension aussi intéressante, enfin dans le dossier de presse que j'ai lu, c'est que bah, au début il est avec d'autres, Oui, c'est et ça. là il va se retrouver tout seul en Oui, c'est fait. ça. Et donc on est confronté aussi par rapport au fait que il faut apprendre À se débrouiller à tout se débrouiller seul, tout sans seul, l'aide voilà. Il y a des cette autres. dimension. Faut dire aussi que c'est un roman jeunesse. Oui, c'est un roman C'est un jeunesse, c'est roman ça. Donc, jeunesse. d'une quarantaine de pages, rapide et simple à lire Mais c'est très bien pour pour tout le le monde. c'est très bien justement par rapport au public que tu Ouais. vises. Public 6-9 ans. Ouais, c'est Hein, c'est ouais, ça. 6 Donc puis 40 plus. pages, il faut pas. Voilà, tu es vraiment dans la bonne. Ouais, Mais voilà. voilà, il y a cette dimension de courage qu'il faut aller chercher en soi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que voilà, c'est l'histoire d'un chien, effectivement, mais bah, finalement, on peut se reconnaître très facilement Ouais. au-delà du fait que ce soit un chien et. Ouais. Puis même moi, même à 21 ans, hein, je sais que bah voilà, par exemple, je peux prendre mon exemple, j'ai dû quitter ma famille pour mes études. C'est vraiment contraint par les études de quitter ma famille. C'est en C'est pas filigrane, forcément ce hein. que je C'est voulais, en voilà, filigrane c'est ça. finalement. Donc c'est vraiment pour toutes les situations où vraiment bah quitter ce groupe de personnes qu'on connaît, avec qui on est habitué à Et aller vers vivre, l'inconnu. c'est ça, et partir loin. Aller vers la vie, tout bêtement, hein. Enfin, c'est vrai que c'est ça aussi. Donc, moi j'aime bien la façon dont tu en parles, parce que je me rends compte que tu es drôlement investi dans ce bouquin, en fait. Hein. Ah Alors, je me pose la question, là, il n'y a pas un dédoublement là, de personnalité entre Al de Sup et puis écrire un bouquin? Si, comment tu dis ça, toi? c'est bizarre. C'est très bizarre parce que bah du coup à l'école on me voit comme un étudiant mais on me voit aussi comme un. En fait je suis comme deux personnes en fait. Pendant les heures de cours on me voit comme un étudiant. Et puis après sur les heures de pause, bah, on vient me parler, enfin on vient me voir, on vient me dire ah ouais ton livre, j'aimerais bien que tu me le dédicaces et tout ça. Premier micro. Ouais, on devrait laisser brancher hors antenne. Ouais, presque. Non, alors cette chanson s'appelle Vesoul, mais jusqu'au dernier moment, en fait, elle devait s'appeler Vierzon. Voilà.
Et donc, oui. Et finalement, ils ont trouvé que Vesoul, ça faisait mieux, peut-être, non ? Ah, je ne sais pas la raison, mais en tout cas, ça s'est décidé au tout dernier moment, le changement de nom.